Ich habe ja Literaturwissenschaft studiert und ich habe in den 80er Jahren unfassbar viele Bücher gelesen. Und die Novelle von Hermann Broch habe ich gelesen, ohne dass ich daraus einen Film machen wollte. Denn zu der Zeit habe ich gelesen, einfach nur aus Spaß. Ne? Und die hat mich sehr beeindruckt, die Geschichte. Und erst später, als ich dann Filmemacher geworden bin und angefangen habe, nachzudenken, was man hier machen könnte, habe ich die DDR erstmal entdeckt für mich als Ge Erzählung und die Geschichte, die Novelle Barbara kam dann später hinzu. Ich kann mich an die Zeit 1980 in der DDR sehr gut erinnern, weil meine Eltern wollten kurz davor noch zurückgehen in den Sozialismus, zurückgehen vom Westen in den Sozialismus, weil sie den Kapitalismus als durch eine lange Arbeitslosigkeit meines Vaters für ein sterbendes System hielten. Und wir fuhren in den Osten, das war so 79, 1979, 80, und dort war alles noch viel, viel kaputter. Ich hab das noch nie vorher erlebt, dass man ein Land betritt und weiß, dieses Land stirbt. Ich mache ja immer wir haben ja immer eine lange Probenzeit. Ne? Das ist aber nicht so, dass wir in dieser Probenzeit das Drehbuch proben, sondern wir gehen spazieren, wir schauen uns Fotos an, Comics, ja, lesen zusammen und haben uns Filme angeschaut. Und das waren die Filme, die mich selber beim Schreiben und bei der Vorbereitung beeindruckt haben. Und das war To Have and Have Not von Howard Hawks, ja, weil ich fand, ich mag diese Konstruktion nicht, wenn man sagt, da ist ein Land mit Staatssicherheitspolizei, ja, mit Unterdrückung und Repression, ja, und da sind die Liebenden. Ja, dieses Gefühl ist so rein und reich, ja? Und die reden so ganz mit offenen Augen und so. Ich finde, dass mich interessieren die Menschen viel eher, die innerhalb eines Systems, ja, versuchen, eine Sprache neu zu erfinden. Ja? Und in To Have and Have Not sind es Lauren Bacall und Humphrey Bogart, das sind Angespülte, ja, während des Faschismus. Und die sich in die Augen schauen und die wissen nicht, kann ich dem anderen vertrauen? Und die daraus auch eine Verführung machen. Das hat auch einen Reiz und eine Liebe, die hintenrum kommt und ein bisschen lügt und einen doppelten Boden hat, ist doch viel interessanter als wo man sagt, hier ist der Vertrag, liebst du mich, ich dich auch. Ja? An der Kreuzung hätten Sie mich fragen müssen. Aber wir sind doch richtig. Also was hätte ich Sie fragen müssen? Sie hätten mich fragen müssen, wo ich wohne. Aber das wissen Sie ja bereits. Ja, der andere Film ist Stromboli gewesen von Rossellini, weil dort die Ingrid Bergmann in einer Art Exil ist, so ähnlich wie hier die Barbara auch in einem Exil ist. Und da hat mich aber nur interessiert, dass die Ingrid Bergmann lügt, ja, um dort in Stromboli sich zu befreien. Also sie verführt den Leuchtturmwärter und dann sieht man ihren Fuß so im Sand und so. Das wollte ich der Nina zeigen, also Nina Host zeigen. Und dann haben wir noch viele Filme gesehen von Fassbinder und einer, der uns sehr beeindruckt hat, war noch Clued von Alan Pakula. Donc Barbara est le sixième long métrage du cinéaste allemand Christian Petzold. Pour ce film, il a reçu l'an dernier au Festival de Berlin un prix extrêmement mérité, ça c'est en ce qui me concerne, de la mise en scène. C'est un cinéaste passionnant, vraiment, il a 51 ans, c'est donc son sixième long métrage. Il a commencé le cinéma assez tardivement en passant d'abord par le court métrage, puis par la télévision à la fin des années 80. Et c'est vraiment depuis une dizaine d'années devenu l'un des fers de lance du nouveau cinéma allemand qu'on a appelé de façon très réductrice et un peu rapide la nouvelle école de Berlin. Il n'y a pas eu d'école de Berlin, c'est-à-dire à aucun moment on a défini l'école de Berlin comme un mouvement stylistique. Il est vrai néanmoins que tous les cinéastes que l'on réunit sous cette bannière, Hans Christian Schmidt, Christopher Häusler par exemple, pour ne citer qu'eux, partagent non seulement le fait d'avoir souvent travaillé les uns avec les autres, mais une approche très austère n'est vraiment pas le mot, mais très épuré du cinéma. C'est-à-dire que c'est des gens qui reviennent à un travail très élémentaire sur le cinéma,
une valeur de cadre, un cadre souvent fixe, des effets de montage raréfiés, c'est pas des films extrêmement montés comme on peut le voir maintenant dans le cinéma occidental, mais c'est un cinéma extrêmement pensé, totalement maîtrisé, qui joue de tout, c'est-à-dire la valeur de cadre a une signification narrative, le travail sur le son, le travail de l'acteur à l'intérieur de ce cadre-là, les plans sont souvent longs et tirés le plus possible, donc c'est tout sauf le contraire d'une austérité, c'est au contraire revenir à une expression élémentaire du cinéma et faire de cette expression élémentaire quelque chose d'une richesse absolue en termes de psychologie, en termes de narration, en termes de dramaturgie et en termes même de cinéma purement formel. Nous sommes en 1980, en Allemagne de l'Est. Évidemment, cela fait réminiscence à son histoire personnelle. Ses parents venaient d'Allemagne de l'Est. Et avec eux, enfant, bien qu'il ait grandi en Allemagne de l'Ouest, il avait, à un moment ou un autre, traversé le pays. Donc, il a des souvenirs comme ça enfouis. Et puis, c'est, entre guillemets, du romanesque. C'est-à-dire, par rapport aux autres films qui étaient peut-être plus abstraits en termes de scénario, là, on a une vraie histoire. Une femme sort de prison. Elle arrive dans un petit hôpital de campagne en Allemagne de l'Est. Elle va rencontrer à la fois un médecin dont elle pourrait tomber amoureuse. Elle va essayer de continuer à s'enfuir de ce pays-là, et puis il va croiser également le chemin d'une jeune fille qui ne vit justement que pour s'évader. Et de tous ces personnages-là, Christian Petzold va faire un film romanesque, alors à sa manière, évidemment très sobre, très épuré, à distance, mais c'est vrai que peut-être par rapport au film précédent, on a une vraie histoire qui se raconte et une vraie rencontre entre un réalisateur, une époque qui est encore très présente dans l'histoire allemande et qui est également très présente dans son histoire personnelle. L'une des caractéristiques du cinéma allemand, alors évidemment c'est générique, c'est un cliché, c'est un peu une diagonale réductrice, mais il est vrai que c'est un cinéma qui a toujours œuvré pour un travail de mémoire, un devoir de mémoire qui ne se faisait pas toujours au niveau politique et que le cinéma a toujours œuvré et acté. Alors les cinéastes des années 70 ont réglé leur compte à leur manière avec effectivement la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction du pays après. Les jeunes cinéastes, c'est-à-dire ceux qui ont connu la fracture entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, à leur manière, abordent ce sujet qui est encore évidemment très crucial, très présent, surtout après la réunification, et qui a donné des choses formidables et dans des thématiques extrêmement différentes, comme Goodbye Lenin, qui était une comédie dramatique, mélodramatique, super mélancolique, et en même temps très drôle, sur le souvenir impossible de cette époque-là, et puis La vie des autres, qui est un film beaucoup plus sobre, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus austère, sur la Stasi et la surveillance. Barbara est à la fois un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois un film très solaire, on est à la campagne et en même temps, il y a tout un effet. Petzold s'intéresse à la paranoïa, à la défiance qui existait entre les différents protagonistes et il la filme de manière totalement différente. Il ne filme pas l'envers du décor, la manière dont la Stasi est écoutée comme ça avec des micros partout, mais la manière dont justement la paranoïa s'était tellement installée dans le pays qu'il n'y avait en gros pas besoin de micros, pas besoin de surveiller. Les gens eux-mêmes étaient tellement méfiants les uns envers les autres qu'ils se surveillaient, qu'ils écoutaient les conversations et que ça donnait un pays où il était impossible de faire confiance à qui que ce soit, son voisin, ses proches, y compris peut-être même les gens de sa famille. Alors ça, c'est vraiment la toute première scène du film. C'est-à-dire que le générique vient de finir, la musique va s'atténuer peu à peu, on la retrouvera d'ailleurs pratiquement jamais dans le film, ou alors vraiment uniquement en utilisation réelle. Donc, Petzold marque vraiment la fin du romanesque. C'est pas un roman, c'est pas une histoire comme ça, à grand spectacle, c'est une histoire dans le réel et dans le concret. On a juste un plan fixe d'une femme dans le bus. On ne sait pas encore où nous sommes, ni à quelle période c'est une femme dans le bus seule. Le choix du cadre est extrêmement intéressant. Il a pris un cadre serré, mais qui n'est pas un gros plan. C'est-à-dire qu'on a à la fois une femme solitaire dans ce cadre, et c'est effectivement toute la caractéristique du personnage de Barbara. C'est une femme seule, c'est une femme qui ne va pas pouvoir se confier. Et on voit uniquement à travers la ligne de regard la contradiction vraiment profonde du personnage. C'est-à-dire qu'à la fois, on la sent anxieuse, sachant pas très très bien ce qui va lui arriver, et en même temps on sent qu'elle fait tout pour ne rien laisser paraître. Et cette dualité, cette versatilité, c'est vraiment la construction sur laquelle se repose entièrement le personnage de Barbara. On va connaître, on va savoir un tout petit peu qu'elle est sortie de prison, qu'elle a un passé
assez lourd, et en même temps, elle fait tout pour ne rien laisser paraître. Donc je trouve que c'est une ouverture formidable, magistrale, parce qu'on est pile poil dans le mystère du personnage, on ne sait encore rien d'elle, ce qu'on va découvrir peu à peu d'ailleurs ne nous en dira pas plus, mais il y a là quelque chose d'absolument magistral, c'est-à-dire qu'on est, on regarde ce personnage, on est hypnotisé par la façon dont sa ligne des yeux fuit comme ça, par sa solitude, et ce que j'aime énormément, c'est que la musique s'arrête au moment où la bande-son nous fait entendre les portes du bus qui s'ouvre, et le bruit est extrêmement violent. On sent que Benzel a saturé, en tout cas, obtenu un relief sonore impressionnant, et on a l'impression de portes de prison qui vont libérer cette femme. Mais est-ce qu'il la libère vraiment, ou est-ce qu'au contraire, elle va vers une autre forme d'incarcération ? On est passé d'un plan serré à un plan large, donc il y a un effet de surprise. Petzold en profite pour contextualiser l'histoire. Nous sommes en Allemagne de l'Est, 1980, donc on a une idée de la localisation géographique, de la temporalité historique, et on voit une femme qui sort du bus, il y a un léger panoramique, on se dit bon, c'est un plan narratif, voilà, on est en train de nous expliquer où nous sommes, à quelle période. Sauf que, peu à peu, on se demande si ce plan narratif objectif n'est pas également un plan subjectif, et on le comprend au plan suivant, puisque le contre-champ, c'est le médecin qui est en train, justement, depuis sa fenêtre, de la regarder s'installer sur le banc. Et Petzold, à ce moment-là, joue d'une ambiguïté qui nous permet de comprendre qu'effectivement, dans ce pays, tout le monde regarde tout le monde surveille tout le monde. Et il y a une réplique formidable, c'est le « c'est elle ». C'est la première réplique du film. On sait qu'elle s'appelle Barbara, en tout cas on le devine puisque c'est le titre du film. Mais en tout cas, aucun des deux protagonistes de la scène, qui sont au bureau du médecin, ne prononce son nom comme si elle n'avait déjà pas d'identité. Et subitement, le regard que le médecin porte sur cette femme, ce sourire un peu ambigu, est-ce que c'est le sourire d'un homme séduit par une femme qu'il est en train de regarder? Ou est-ce que c'est au contraire le regard d'un homme plus sardonique qui est censé la piéger, qui est censé la surveiller et qui va effectivement tout faire pour qu'elle chute, il y a là une ambiguïté que je trouve absolument magistrale. Has he done? Ja. Sie wird nicht eine Sekunde zu früh kommen. Die ist eben so. Wie ist sie? Ja, wenn sie 6 Jahre alt wäre, würde man das Schmollen nennen. On a immédiatement après un plan plus large où l'on voit le médecin près de la fenêtre et puis cet homme sans doute de la Stasi en noir avec un dossier à la main. Et je trouve que la césure dans le plan est extrêmement passionnante. C'est-à-dire qu'on a à la fois d'un côté de la lumière et l'homme de science est du côté de la lumière et puis on a l'homme de la surveillance qui est du côté de l'obscurité. Et il a beau se rapprocher de lui, la césure ne rompt pas. C'est exactement la même. Il y a vraiment une dualité entre la lumière et l'obscurité et on retrouvera cette figure de style régulièrement dans le film, jusqu'à même d'ailleurs une certaine forme d'ambiguïté constante. Et je trouve ça absolument, comme plan d'ouverture, absolument formidable.